Et bonjour à tous, c'est Nicole Ch'ti avec Geralt de Rive sur The Witcher 3. Et bienvenue dans ce nouvel épisode. J'y vais. Donc bienvenue dans cet épisode. Ah, c'est juste des Andriacs, ça va. C'est pas chiant cela. Et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va reprendre là où on s'était laissé. C'est-à-dire que on a résolu un mystère qu'il y avait par rapport au vignoble de Bellegarde. On a réglé les problèmes de deux autres. J'ai mon armure qui est cassée. De deux autres personnes. Donc j'ai oublié le nom parce que ça fait longtemps que j'ai pu tourner. Comme d'habitude, vous me direz. Et donc, une fois qu'on a réglé. Ça empêchera les Andriacs de proliférer. Une fois qu'on a réglé ce problème, bah, il s'est avéré que c'était une personne qui montait les deux autres personnes qui voulaient récupérer le vignoble de Belgrade entre eux. Et donc on a résolu le problème, ils se sont mis d'accord pour pouvoir gérer ce vignoble de Bellegarde tous les deux, mais il y a encore des petits problèmes. Et on va régler ça tout de suite, donc avec le premier qui est un nid de monstres. Boum. Et ici, on a... hop. Ah, journal de Thierry Pires. Une partie de journal dont seules les dernières entrées sont lisibles. Les autres pages sont collées ensemble par du sang séché. Je maudissais chaque jour de devoir ramper et suer pour le comte Crespi. À présent, je maudis chaque jour de ne point avoir à le servir. Je sais désormais pourquoi il était aussi dur, aussi autoritaire, aussi prompt à la colère. On ne peut point rester calme et jovial quand on doit faire face quotidiennement à autant de problèmes sur un seul vignoble. Maintenant que je suis l'intendant de Bellegarde, c'est à moi d'y faire face. Le géologue que le comte avait engagé avant sa mort tragique a disparu. On peut donc dire adieu au gros sac de couronne qu'on lui avait envoyé et à l'étude qu'il devait mener. Le domaine Tilly est infesté de scolopendromorphes et un page essoufflé vient de m'informer que quelque chose a attaqué les vignes au nord. Assez écrit, je dois aller voir ce qui provoque cette panique. Bah, t'es bien mort, quoi. Alors. Ok, ça c'est fait. Alors déjà, dans l'inventaire, on va réparer l'armure. Normalement, j'ai des trucs... Hop, et... Ok, ça ira. Et bah, on va faire la suite, hein. Donc, est-ce que... justement, j'ai pas un point de TP. Tout là-bas, ici et là-bas. Bon, on va aller au plus simple. Oh, quoi que, on peut y aller à dos d'ablette. Ah, ok. On peut l'appeler, elle est là, ablette. Coucou choupette, mais de rien. J'ai fait mon travail, je suis payé pour le faire. Ok, hop, hop. Voilà. Allez, on prend un coup de poulet rôti pour régénérer sa vie. Ah, mais n'empêche, ouais, les Andriacs, ils m'ont mis cher. On est plus très loin. On s'enfonce dans la forêt. Ah, ça va, de nouveau la route. J'espère que j'ai pris le bon. Sinon, bah tant pis. Non, c'était celui qui avait au-dessus du village. Hein. Ah, c'est ça, c'est le bon, c'est cool. Je me suis pas trompé. Et on arrive. Ah, on a une... une cocatrix. Mais j'allais dire, c'est une wyverne. Une vouivre. Alors déjà, c'est hard. Ok, on s'en sort. Allez, meurs. Voilà.
On l'a eu. Ah, c'était un... Ok, on peut passer, hein. On a déjà vu ce genre de cinématique. Voilà, on va passer tout ça, où on libère le village. Enfin, là, c'est pas le village, c'est plus un genre de champ ou un petit endroit. Voilà, il y a nouveau des gens, maintenant. Et je vais looter... Domaine Tilly, bois de Carbonara. J'ai pas fini de lire. Ok, ramasser. Non, Gérald, je veux juste ramasser. Un slizard. C'était un slizard, mais c'était une sorte de vouivre. Et ça reconstruit. C'est cool. Est-ce que le pan, on peut le... Oh, le pan. Viande crue. Ok, on a ça, c'est bon. On peut aller au prochain. Alors le prochain, il est... On va se TP... Oh, c'est vrai qu'on n'est pas trop loin. En plus, il y a un truc ici. Point de passage, allez. Ablette, on va passer par le point d'interrogation qu'il y a. Et j'espère qu'après ces 5 points qu'on a fait... Alors ça, c'est important. Mais après quelques gouttes... Okay. C'est bon, on a tout. Est-ce qu'il y a encore des trucs à fouiller? Non, il n'y a plus rien à fouiller. Ok, on peut y aller. Vers notre point de passage personnel. Alors, par là, je suppose que ça va pas trop le faire. Ici, ça va. Ici, ça va. Il n'y a pas Ablette à peu passer. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas obligé de suivre les routes. Un peu comme dans tous les jeux, mille monstres. Et on a quoi? Des... Gni... Ah, des skulls prendre aux morts. Alors eux, c'est Irden. Ok, pris au piège. Pris au piège. Allez, ça c'est bien. Ok, quand il se roule tout sur lui-même, faut que je fasse gaffe. Ah, parce que je visais... Ok, je tapais sa carapace par derrière, donc c'est pour ça que ça prenait pas en compte. C'est donc là où viennent se reproduire les scolopendromorphes. Faisons place. Ouais, faisons place net, détruisons tout ça. Et je suis pas ramassé. Hop, allez, ça c'est fait. On prend tout, et on est bon, on va pouvoir aller à la suite. Voilà, c'était un petit point d'intérêt bonus. J'espère que vous avez apprécié. Donc la suite, alors, on va faire le troisième. Et on arrive. Encore un nid de monstres. C'est aussi des scoloprandromorphes. Ok. Hop, allez. Non, pas avec le point Gérald, ça va pas aller. Sors ton épée au moins. Ok, il est assez bloqué, assez longtemps. Où est-ce qu'il va pop? Ok, on les a eus. Oh, on l'a décapité. Oh, c'est cool. On l'a pas encore vu ce... Cette animation. Là, il y a un gars ici. Liste portant le sceau Bellegarde. Ok. Cher Gabriel, comme tu le sais sûrement, suite à la mort du comte, c'est à moi que revient la charge d'entretenir et de gérer Bellegarde. C'est en cette qualité que je sollicite ton aide, car tu es à la fois le meilleur sourcier du duché et un ami proche.
J'espère donc que tu accepteras de me rendre service. Tu te demandes comment tu pourrais m'être utile dans la gestion de mon vignoble, je te le dirai bientôt. Avant sa mort, le comte Crespi m'avait commandé un lot incroyablement précieux de plantes, et si nous ne les remplantons pas très rapidement, tous périront. Hélas, le comte n'a laissé aucune information sur l'endroit du domaine où il faut préparer le sol pour cette plantation. Le géologue que le comte avait engagé pour nous montrer le terrain le plus adapté a empoché son avance généreuse, puis a disparu. Je ne serais guère surpris d'apprendre que ce n'était qu'un vulgaire escroc. Mais venons-en au fait, j'aimerais te demander d'utiliser tes talents de sorcier pour localiser l'endroit où il faudrait planter ces précieuses vignes. J'ose espérer que tu auras pitié d'un vieil ami et que tu t'occuperas de cette tâche sans délai. Les coffres de Bellegarde sont vides, c'est vrai, mais je trouverai sûrement un moyen de te récompenser pour tes efforts. Ton ami Thierry Pires. Ah ! On avait Thierry Pires sur le premier des cinq. Et là, la lettre est ici, en fait. Il a écrit à cette personne-là. Ok, intéressant, c'est assez sympa, cette petite connexion. PS, sois prudent, car depuis la mort du comte Crespi, cette région n'est plus aussi sûre. Ok. Allez, explosons tout ça. Boum. Et on ramasse tout ça. Et donc on va aller au prochain qui est un peu loin. Mais il semble qu'il y a un TP tout proche. Ah ouais, c'est ça. Et ça, on sait que c'est un trésor gardé. Là, ça, on l'a fait. Ok, voilà, on va se TP. Bon, allez, on se TP là et on va à gauche. Et après, on va se re-TP là et on ira au plus près. Ou alors on fait le plus près. Ouais, on fait le plus près avant. Et puis après, on se re-TP ici. Oula, 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 oula. Oula, oula, oula. Ça surprend sur le coup. Hein. Ah, ils prennent pas le Yerden. Ok, hop. On enlève la torche. Alors, bon, on va tout ramasser, hein, tant qu'à faire. Alors, on va appeler Ablette. On va regarder la carte. Et on va mettre... Hop, notre TP perso. Comme ça, au moins, on se trompe pas de direction. Ah, ils m'ont surpris, les Berghest, là. Les chiens spectraux. Alors, pataclope, pataclope. Allez, ouais, mais déjà, il faudrait que j'arrive à passer cette ruine. Qu'on a déjà visité, parce que le point de... Le site de pouvoir est grisé. Allez. Par là. Allez, Ablette. Oh, me dis pas que c'est trop pour toi. Nouveau marqueur, personne en détresse. Ah, des bandits, des humains. Alors, ah bah, déjà là tu m'as raté. Alors, faut vraiment que j'arrive à... Ouais, hard, s'il te plaît. Ah, je suis un chouïa trop tard. Oh, j'ai du mal à choper leur truc là. Allez, on se les fait. Allez, mon Michel, c'est bandit. Heureusement, j'ai le truc immortel, hein, sinon je serais déjà mort trois fois dans cet épisode. Ah oui, c'est vrai, je gèle. Je gèle mes ennemis. Ok,
On l'a. Ah mais les deux y. Ah, est-ce que je pars automatiquement maintenant? Ah non, j'allais dire. J'adore faire ça. N'empêche qu'on réussit bien. Il y a Bled derrière. Hein. Allez hop. C'est bon, il n'y en a plus. On peut fouiller avant? Non, on le libère tout de suite. Et on a libéré cette personne. Merci mille fois, messire. Sans vous, eh bien, ces bandits n'étaient point là pour plaisanter. Je pourrais vous forger quelque chose pour vous prouver ma gratitude. Mais je dois d'abord regagner ma forge à Belgar. Oh, t'inquiète pas, je suis assez équipé. Je vous retrouve là-bas. Je passerai quand je serai dans le coin. Bon, peut-être on le reverra, le PNJ ou pas. Alors, dans tous les cas... On va tout fouiller maintenant, vu que tout ça c'est à nous. Tout ça c'est à nous, lui c'est bon. Alors faire attention à pas looter ses épées, hein, j'en ai pas besoin. Ici, on a encore des trucs ici. Tac. Alors on a eu des minerais, ça c'est cool. Il y a un coffre ici. Hop, ça c'est bon. Alors lui. C'est bon, on s'en fout de l'épée. On s'en fout de l'épée. Ah, monsieur, j'étais trop vite. Hop, ici. Je suppose qu'il y a... Ah non, il n'y a rien. Je pensais qu'il y aurait un truc à fouiller ici. Donc, ce qu'on va faire, on va gagner du temps. On va se téléporter ici. Alors déjà, je vais mettre un point de... Hop, un marqueur, on va se téléporter ici, ça nous fait gagner quelques pas. On va appeler Ablette. Normalement qu'il doit venir. Jusqu'à moi. C'est bien Ablette. Pour une fois. C'est bien Ablette. Tu viens jusqu'à moi sans que je sois obligé de te chercher. Allez, on passe en mode galop. Qu'on est déjà en mode galop. Ah, les barguest, on s'en fout. Ablette, elle panique pas. Elle gère, elle sait gérer tout ça. Ok, là on a des panthères. On peut pas passer, elle veut pas passer par là. Oh, par contre, cet arbre, il est bizarre là. Ah, je crois que le gars, il a oublié de gérer sa hauteur. Dans la carte. Enfin, sur le terrain, on va dire. On va appeler ça comme ça. Bref. Continuons. Ici. Ah, on débloque un marqueur. Ça, c'est bien. Quand même joli, hein, le paysage. Il n'y a pas à dire. Et on arrive à destination où on a un trésor gardé. Alors, tac. Irden. Irden. Raté, raté. C'est tout ce que tu sais faire, saleté. Mon leader Irden était encore actif. Mais pas celui-là, ah si celui-là aussi. Ok, on l'a eu. On les a eu, ces saletés de bestioles. On va pouvoir tout ramasser. Ah ici, il y avait un gars aussi, ok. Mais il n'y avait pas de notes. On prend tout, on prend tout, on prend tout. Hein. Il est mort, il va pas non plus nous embêter avec ça. Ramasser ici. Ah, encore un truc à ramasser. Ah, si.
Lettre à Grégoire Pixide. Tout prendre. Monsieur, j'espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé. Comme convenu lors de nos précédents échanges, j'aimerais vous engager pour mener une étude géologique visant à déterminer l'emplacement du sol le plus adapté pour étendre notre vignoble. Ah bah c'est le géologue. Je suppose que mon messager vous a déjà remis votre avance. Pour finir, je vous prie de ne point prêter foi aux rumeurs que les mendiants et les vagabonds colportent dans notre communauté depuis quelques semaines. Nous n'avons aucun problème avec les scolopendromorphes ou d'autres monstres dans le secteur. Alors vous pouvez vous mettre au travail sans crainte. Je vous souhaite bon courage et attends avec impatience les résultats de votre étude. Comte Vladimir Crespi. Bah... Le gars, il est bien mort, hein, en tout cas. Bref, oh! Il y a une petite... Ah, je pensais que c'était un petit... Mais en fait, il n'y a rien. C'est juste une petite... Un petit abri. Ok, on va aller... Bah voilà, les deux noms que je cherchais en début d'épisode. Liam et Mathilda. On va pouvoir les retrouver au vignoble Bellegarde directement. Donc ça, c'est sympa. Ah, puis on peut aller voir le... Le PNJ, là. Le forgeron. Le forgeron, s'il est là. Normalement, il est là. Hein. Il devrait... Ah oui, on voit son icône. Alors, je vais lui parler... Ouais, c'est lui. Ah, oh, j'ai cru qu'il était soit qu'on appelle ça un cul-de-jatte ou le parterre, mais c'est un petit garçon. Forgelol. Maître Sorceleur, je ne pourrai jamais m'acquitter de ma dette envers vous. Travaille pour moi. Vous m'avez sauvé des griffes de la Hanse. Et maintenant, grâce à vous, le vignoble prospère comme jamais. Il y aurait quelques réparations à faire. Les meilleurs prix sur ma marchandise. Vous l'avez bien mérité. Bah merci. Faites-moi voir ce que vous avez à vendre. Montrez-moi ce que vous avez. Ah ouais, t'as quand même... Pas mal de petites choses. Parchemin et tout. Ah bah avec toi je sais, on va pouvoir se gaver et se mettre... voir que si t'as des choses à faire et tout. Réparer, tant qu'à faire, on est là, on va réparer les objets. On va retirer l'amélioration, démonter. Alors, ça, forger dans le feu, je le garde. Est-ce qu'on peut tout... Ok, je vous ai épargné le démontage. Et comment ces bandits vous ont-ils capturé? Que fabriquiez-vous dans le bois de Caroberta? Ah, Caroberta, et pas Carbonara. Les prisonniers de ces bandits. Depuis la mort du comte, je n'ai plus les moyens d'acheter des matériaux bruts. Et donc, plus d'outils ou de cerceaux de fût. Je suis donc allé en chercher dans les bois avec quelques gars. Il y a plein de choses à récupérer dans les ruines elfes, si on est prêt à creuser. L'endroit serait hanté, mais je ne crains point les fantômes elfes. Ne crains point donc pas. Là n'est pas la question. Le fait est que je n'ai point vu un seul fantôme. Par contre, nous sommes tombés sur une Hanse. Heureusement, j'ai plus de chance que de bon sens, vu que vous êtes venu me sauver. Ouais, t'as de la chance que je passais par là. T'as de la chance qu'il y avait une quête qui m'ont mené là-bas. Au revoir. Au revoir. Ok, et maintenant, allons parler à Mathilda et Liam, qui sont ici. Ici. Il y a aussi le trésorier ducal. Parlez. Non, je veux pas attaquer la cible. Ah oui, Mathilda de Vermentino et Liam de Coronata et trésorier ducal. J'ai réglé les problèmes à Bellegarde. L'exploitation peut repartir de plus belle. Merveilleux. Au nom des pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets le titre du vignoble de Bellegarde. J'espère que vous saurez faire bon usage de ces terres et ces ressources. Ok, juste ça. D'accord. Excellent. J'ai eu déjà les raisins qui mûrissent au soleil. Merci pour votre aide précieuse. Tenez, voici vos gages. Et ce n'est pas tout.
revenez nous voir sous peu. Nous avons une petite surprise en réserve. Entendu. Ah oui, je vais négocier 1009 couronnes. Bah voilà. La guerre des vins, belle garde. Faut attendre combien de... Attendez 3 jours, puis aller voir Liam et Mathilda. Bah faisons ça. Hop, allez. Ok, voilà, 3 jours. Et oh, ça vous a pas dérangé que je dorme ici pendant 3 jours. Nous avons quelque chose. Le livre de l'amour est long. D'accord, hop, bah de nouveau, reparlons l'heure. Hein. Oh, sorceleur, bien le bonjour. Bonjour. C'est gentil de passer. Avec Mathilda, nous avons... Ah, ils sont déjà mariés, ils ont déjà un gosse en 3 jours. Tout va bien, on dirait. Ça se passe bien entre vous, on dirait. Oui, nous avons compris qu'il n'y avait plus lieu de nous quereller. De ce moment, les choses ont... Ah ouais, c'est ce que... Ah. En plus corsé. Et un bébé derrière. Quel romantique tu fais. N'en dites pas plus. Ravi de vous savoir heureux. Une surprise. Une surprise. Un nouveau monstre à tuer. Ah, c'est ça ton sens de la surprise. Quelque chose de plus agréable. Nous avons produit un vin. D'après les meilleurs sommeliers, il pourrait détrôner l'Est-Est. L'Est-Est. Comme nous vous devons ce succès, avec votre accord. Nous aimerions qu'il porte votre nom. Comment allons-nous l'appeler? Boucher de Blaviken. Le vin Boucher de Blaviken, allez. Pourquoi pas Boucher de Blaviken. Un nom puissant. J'aime. Bien entendu, nous ferons livrer quelques bouteilles. Si tu savais ce qui se cachait derrière ce nom. Trop aimable à vous. Merci. Tout le plaisir est pour nous. Bon vent à vous, sorceleur. Bah voilà. Ah, succès débloqué. Ok, bah c'est un succès de la quête secondaire. Il nous en faudrait un à plein temps par ici. Ah ouais, bah... J'ai déjà fait mon boulot sur ce point-là. Donc, bah, on a fini cette quête. Bon, la cage au fou, c'est la quête principale. C'est pas ce qui nous intéresse. Et nous, on va continuer les quêtes secondaires. Mon père avait tort. Un jour, en déambulant dans les rues animées de Beauclair, Gérald remarqua une annonce. Quelqu'un avait besoin d'une escorte pour pénétrer dans une grotte. La tâche ne semblait ni compliquée ni éreintante. Aussi, le sorceleur estima qu'il serait bête de laisser passer cette occasion. Bon, on va faire celle-là. On va à niveau 37. Hop. Allez, carte du monde. Où est-ce que ça va nous emmener? Tout là-bas. Est-ce qu'on a... Non, on a juste le palais de Beauclair. La grotte aux murmures là-haut. Non, bon, on va aller au jardin de Beauclair. On va se taper là-bas directement. Et on va appeler Ablette. Et on va parcourir... Est-ce qu'on fait les... Oh, j'ai bien envie de voir les petits points d'interrogation qu'il y a sur le chemin. Est-ce qu'on en a un? Ouais, on en a un. On peut... je suis sûr ici il y a un... Je suis sûr ici il y a un TP. Bon, c'est pas grave. Allons-y. Appelons Ablette. Non, Ablette, ah c'est dommage, t'étais bien parti. Hop, bonjour Ablette. Réputation vous précède, Gérald. Merci, PNJ. D'une ère, Ablette. Allez. Tac, tac, tac. On peut descendre ici. Ah, c'est vrai, on est en ville, on peut pas galoper, on peut juste trotter. On peut pas encore galoper. Pataclope, pataclope, pataclope. Ah, y a pas de musique de fond, tiens, je viens de remarquer ça. Bon, c'est pas grave. Alors, j'aimerais aller par là. Ok, allez, enfonce à travers champs. Et qu'est-ce qu'on va rencontrer là-bas ?
dans quelques pas, quelques sabots, je dirais même. Et on a... Ah, des harpies. Ok, allez, on descend, on prend Hard, on sort l'épée. Ok. Les harpies sont pas trop chiantes, on les connaît. Hop. Ok, on l'a eu. Ça se recharge. On y va. En plus, on a tout qui est réparé. Et on l'a eu, la dernière harpie, qui ne loot rien. Par contre, le point d'interrogation, bah, il est en dessous, donc c'est qu'il doit y avoir une grotte pas loin. Œuf de harpie. Ici, on a... Hop. Griffe de harpie, œuf de harpie. Ouais, il doit y avoir une grotte en fait. Et on entend une sorte de golem, je dirais. Ah non, c'est un ours. J'aimerais savoir la... Comment on entre à l'intérieur. Oh, c'est là-dedans. Est-ce qu'il y aurait-il une... Non. Bon, tant pis, c'est pas grave. On va pas chercher trop longtemps, sinon ça serait chiant. Et donc on va... Ah, c'est peut-être ça. Ok. À l'aide, aidez-nous. Entre deux monstres, bah ça a l'air de nous y emmener en fait. J'arrive. Que se passe-t-il ? Des monstres! Il y a des monstres dans la grotte! Nous avons pu fuir, mais Hugo est toujours à l'intérieur. Hugo? Notre frère! Il est toujours là-dedans! Aidez-nous! Retrouvez-le! Nous vous paierons! Bah, c'est le contrat que j'ai accepté, hein. C'est vous qui cherchez quelqu'un pour vous escorter? L'annonce au sujet d'une escorte, elle est de vous? Certes, oui. Comme vous voyez, c'était justifié. Nous avons attendu des jours, mais personne ne répondait. Alors, nous avons pris le risque de venir seuls. Fous que nous étions. Nous aurions mieux fait de nous montrer patients. Pauvre Hugo, on ignore encore ce qu'il... Ouais, t'auras de la chance si ton frère est encore en vie. Qu'est-ce qui vous a attaqué au juste? Vous avez vu ce qui vous a attaqué? Nous n'avons pas eu le temps. Nous avons couru vers la sortie dès que le sol s'est mis à trembler. Mais Hugo, lui, il est parti de l'autre côté. Des monstres ont surgi du sol, c'est ça? Je suppose... À vrai dire, je l'ignore. Nous avons couru sans nous retourner. D'accord. Et qu'est-ce que vous êtes allé faire là-dedans? Qu'est-ce que vous êtes allé faire là-dedans? Nous étions perdus. Oh. Vous avez cru que c'était la grande... Quelque chose. Mon petit menton tout rond. Qu'est-ce que ça peut faire si on se promenait ou si on cueillait des champignons? Hugo est à l'intérieur et en grand danger. Voilà tout ce qui importe. Irez-vous le chercher, oui ou non? Chaque seconde compte. Et là, tu réponds, pas le temps. Très bien, je vais vous aider. D'accord. Je pars à sa recherche. Vous deux, restez là. Allez. Allons chercher le petit Hugo. Par contre, il y a des petits... je sais pas si ça va se voir, mais ça, il y a des petits bugs. Pas des petits... pas des bugs, mais...
Des kikimores. Ils n'aiment pas le feu. J'adore être bloqué dans un coin de la... Je dis ça, je me fais bouli dans un coin avec un angle impossible de caméra. Ok, guerrière Kikimore. Ok, on les a tous su. Alors on va tout ramasser hein. Même si techniquement j'aurais plus trop besoin de... Est-ce qu'on peut les... Ah on peut les... Les œufs en fait on peut les détruire vous voyez. Allez on va ramasser ça. De l'argent, on prend. Ici, là-bas, on a du cuivre ou du fer. Je sais plus, c'est quoi. Du cuivre. Alors, ça, ça se ramasse. Ok, là-dedans, on peut pas y aller. Je suppose que ça va être le chemin du retour. Est-ce qu'il y aura encore des œufs de Kikimore? Ah, non, non. Ah, si, là-bas. Mais on va se les faire. Hein. Moi, je sais pas si ça va... si ça va aider à... comment dire, à faire en sorte que il y ait moins de Kikimore. Allez, pas rechargé. Je suis pas rechargé. Ok, on les a eus. Et ah, c'était ça le... Mon médaillon vibre. Ça doit être un signe bon, d'énergie. Hop. Un point de compétence. On l'a, ça doit être ça ce qu'il y avait sur la carte. Ouais, bah c'était ça. C'était bien ça. Il y a encore Ablette qui était sur position, on va dire. Ah, là on a... Lettre à Martina Kriska. Que tout prendre, lire. Chère Martina Kriska, félicitations pour votre promotion à l'Académie Impériale de Castel Gropian. Je suis sûr que vous deviendrez rapidement une érudite éminente de cette institution. Cependant, avant que vous ne partiez pour le Nilfgaard, votre vieux Victor Monart voudrait vous demander un petit service. Vous connaissez mes fils puisque vous jouiez ensemble étant enfant. Alors vous savez comme il est difficile de les pousser à s'entendre. Je sors dans mes eaux qu'il sera bientôt temps pour moi de quitter cette vallée de larmes, mais je partirai le corps lourd en sachant qu'Auguste, Hugo et Lucien se sauteront à la gorge dès que je serai parti. J'ai donc démonté mon fameux alambic en trois parties et je vous demande, chère Martina, de les cacher. En cherchant ensemble les pièces manquantes d'une machine qui les rendra riches, peut-être tisseront-ils des liens et mettront-ils fin définitivement à leur stupide fâcherie. Vous trouverez 6 juin une bourse de pièces pour le dérangement. Je vous souhaite bonne chance. Ah, il y avait autre chose. Il y avait autre chose. Il y avait autre chose avec tout ça. Bon, quoi qu'il en soit, on n'a pas trouvé Hugo encore. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, par là. Donc c'est bon à savoir, donc on est bien d'accord, donc elles aiment bien, elles n'aiment pas le feu.
Donc. Bon sang. L'eau est brûlante. J'ai intérêt à faire attention. Une protection pourrait m'être utile. Avec Gwen, peut-être. Merci, Gérald, de ton... Parce que, regarde, il y a un truc à l'intérieur. Parce que moi, ça me dit d'aller fouiller là-bas. Gwen. Plonger. Il y a des trucs à fouiller. Ah ouais, il y a des trucs à fouiller. Ramasser. Tout prendre. Ici, on a un truc. Ah, c'est l'alambic. B. Je veux monter. Monte ! Putain, il est bloqué dans un rocher, quoi. Ah, et filtre d'alambic. Je suis sûr qu'il y a... Ah, je sens la mat vibrer. Allez, on va remonter. Quoi, il est fini. Allez, hop, c'est bon. On relance à quoi? Je pense que j'ai tout fouillé, hein. Non, il y a encore des choses à fouiller. Allez. On plonge. Plonge. Prendre. Ici, on a... La menace, elle revibre. Saute! Oh, dis pas, je suis dans le mauvais truc. Non, je vais mourir comme un... C'est bon. J'ai un bout d'alambic. Est-ce que j'aurais pas une petite potion, là, pour régénérer de la... C'est quoi ça? Oh, là, tu as des faits. Allez. Ah non, mais je voulais l'utiliser, moi. Alors, tac, tac, tac. Ouais. Ok. On a un regain de vie, donc ça, c'est pas plus mal. Ouais, on va essayer de pas tomber, hein. Voilà, je dis ça. Bon, je pense que c'est pas fait pour passer par là. Bref, on a un bout d'alambic. Je pense que c'est un truc. Je suppose que c'est un truc de la quête, hein, qui va avancer. Et on va examiner ça. Une trace de sang. Hugo est peut-être blessé. Suivre la piste. Bah, suivons la piste. Ah, ici il y a de la lumière. Mon père avait tort. Quête mise à jour. Et on a trouvé Hugo. Vous êtes Hugo? Vos frères m'ont envoyé. Les ladres, les gredins, les scélérats. Ils m'ont attaqué, mais je les ai repoussés. Et voilà qu'ils m'envoient un coupe-jarret pour finir le travail. Je ne suis pas un coupe-jarret. Je suis sorceleur, pas coupe-jarret. Et vos frères m'envoient vous aider. Oh non, 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 on ne me fera point croire qu'ils ont soudain changé d'avis. Ils tentent de me tuer, puis ils envoient de l'aide. Ça sent la trahison à plein. Voilà, il voulait confirmer ta mort. Je suis Hugo Monard, le fils de Victor Monard. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. C'était un distillateur... Non, mais j'ai vu son nom dans une lettre. Avant sa mort, mes frères et moi nous disputions pour savoir qui reprendrait l'affaire familiale. Notre père a donc décidé de nous forcer à collaborer. Il a démonté son alambic et en a caché 3 pièces, en indiquant un emplacement à chacun de nous. Quand mes frères ont appris que ma pièce, la dernière, était cachée ici, ils ont décidé de se passer de moi. Ils ont voulu m'écarter, définitivement. Le ton est monté et on s'est battu. Le bruit a dû réveiller les bêtes. Mes frères ont fui vers l'entrée, mais moi, j'ai avancé. J'ai trouvé la pièce manquante. Ce ne serait pas ça la pièce d'alambic que vous êtes venu chercher? Si. Où l'avez-vous trouvée? Dans l'eau chaude. Au fond d'une source chaude. Il l'avait bien caché, votre père. Ouais, et il y a une jeune dame qui a été tuée. Je sais, ça fait peu. Mais je vous promets les meilleurs prix lorsque la taverne sera réouverte.
D'accord. Je saurais m'en souvenir. Bon, allons-y. Vos frères doivent piaffer d'impatience. Ok, on se retrouve à l'extérieur. T'as vu ? Il est pas mort ton frère. Une minute, regardez. Mes frères, ils ont rassemblé des voyous, ils vont m'attaquer. Ah ouais, carrément, ils en sont là. Soutenez-vous que c'est une coïncidence s'ils sont revenus avec des hommes armés ? Ils veulent la dernière pièce de l'alambic. Ils me tueraient pour l'avoir. Pitié, vous êtes mon seul espoir. Tuez-les ou ce sont eux qui me tueront. On va discuter. Tuez vos frères. C'est vraiment ce que vous voulez ? Eh bien, peut-être pas mes frères, mais la racaille qui les accompagne pour sûr. Quant à mes frères, vous pourriez peut-être trouver un moyen de les neutraliser. Oh, me défendrez-vous ? Personne ne mourra aujourd'hui. Je n'ai aucune intention de tuer des gens à cause d'une querelle familiale pour une pièce de machine. On va les rejoindre, et vous allez régler ça en discutant. Mais s'ils nous attaquent... Oui, dans ce cas-là, oui. Oui, s'il n'y a pas provocation. Allons-y. Sur ce point-là, je suis d'accord. Hugo, tout va bien ? Nous étions inquiets. Permettez-moi d'en douter. Ne provoque pas, Hugo. Écoute, pendant que tu étais là-dedans, nous avons réalisé que cette fâcherie n'a aucun sens. Tu aurais pu être gravement blessé, et nous ne nous serions jamais pardonné pareille chose. Lucien a raison. Passons l'éponge et travaillons ensemble, comme le souhaitait Père. Pourquoi avoir ramené ces brutes alors ? Si vous venez en paix, ces hommes, que font-ils là ? Ce sont des chasseurs qui bivouaquent non loin. Ils nous ont vus et ont proposé leur aide. Ok, comme par hasard. Ne reveniez point. On pensait venir à la rescousse avec l'aide de ces hommes. Et pour mon argent ? Bon, content que vous soyez réconciliés. À présent, je dois m'en retourner à mes affaires. Naturellement. Tenez, votre argent. Merci pour votre aide. Si jamais vous passez près de notre taverne, le petit malin, arrêtez-vous. Notre cognac est un délice. Je n'y manquerai pas. Bah voilà. On a réglé ça sans violence. Pas moi qui nous attaque. Non ? Bah voilà, tant mieux, c'est cool. Bah tiens, samedi, je vais aller voir ce petit camp là-bas. Voir ce qu'il dit, si c'est un... Ah, il y a Ablett. Coucou Ablett. Non, le camp est vide. Hein. Tout simplement. Et... Il y a des choses à prendre. Il y a des choses à fouiller quand même. Hein. Ils sont pas là. Ils ont qu'à faire attention à leurs affaires. Voilà. Moi, c'est ce que je dis. Bref. Dans tous les cas, bah, on a un petit peu avancé. La prochaine fois... Qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois ? La prochaine fois, on continue les quêtes de secondaire, hein, du plus bas niveau. Ah, c'est quoi le tournoi ? Rencontrer l'organisateur du tournoi. Ah, c'est le Gwent, donc non, on s'en fout. Le prochain, ça va être des mots. Les mots des prophètes sur les sarcophages. On va faire ça et ça va nous emmener là-bas. Tout là-bas. Bon, on n'a pas de point de... Si, on peut aller à la fosse des renards. Donc, on va se téléporter là et on va se laisser là. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Tout plein de liens dans la description des bandits. Des bisous et à bientôt.